David Morin, le sociétaire du VCP Loudéac, à qui a éclaboussé cette fin d'épreuve. Il va avoir le temps, bien sûr, d'ajuster son maillot et de saluer le public à sa juste valeur. Victoire de David Morin. Victoire de David Morin, le sociétaire du VCP Loudéac. Je ne voyais pas lui. Voilà, après l'arrivée publique, attention, s'écarte. Voilà, le groupe a dû se reformer avec 7 hommes pour notamment le podium, avec notamment Gaëtan Gébert, Pierre Tardivel, Hervé Cadiou, Gilles Razavette, avec Clément Duponcel, Maxime Oliveux et Guillaume Persson. Le podium se joue parmi ces garçons pour l'emballage final qui vient de débuter à l'instant. On garde sa ligne, s'il vous plaît, le public. Voilà, le public, attention public, on va laisser bien sûr éclater votre joie. C'est l'arrivée, arrivée avec pour l'instant léger avantage pour Guillaume Persson du cyclo EVTT Pomeroy. C'est l'arrivée pour la deuxième place. Arrivée, Pierre Tardivel. C'est bien, Clem. C'est bien, madame. Il est parti trop tôt. Il est parti de fort. Disons les coureurs à garder leur ligne, s'il vous plaît, et on va sprinter à la régulière pour encourager cette fin d'épreuve avec les D1. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, applaudissez-les une nouvelle fois pour cette belle débauche d'efforts.